Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de la mini-série The Kennedys, version française de Les Kennedys sur format DVD. Réalisée par John Cusar, la série met en vedette Greg Kinnear, Barry Pepper, Katie Holmes et Tom Wilkinson. Distribuée sous la bannière de E1, l'ensemble est disponible en magasin depuis le 20 septembre 2011. Présentée en 8 épisodes, The Kennedys dresse un portrait intime sur les victoires et les défaites du célèbre clan américain des Kennedy. Surnommée la famille royale d'Amérique, le clan des Kennedy n'a jamais cessé de faire couler de l'encre. Connus autant pour leur immense fortune que pour l'influence qu'ils exerçaient, la famille américaine la plus iconique de la période d'après-guerre mérite certes de voir leur histoire portée à l'écran. Adaptée à quelques reprises dans des films tels que JFK, 13 Days ou encore Bobby, seulement certains moments clés de la vie entourant les Kennedy ont été traités, comme les assassinats de John et Robert ou encore l'invasion de la baie des cochons de 1961. L'équipe derrière la télésérie à succès 24 prend les commandes de cette épopée familiale plutôt décevante. Refusée par toutes les chaînes principales de télévision américaine, ce n'est que la chaîne Reels Channels qui a accepté de diffuser cette mini-série. Jugée par les critiques pour ses nombreuses incohérences historiques, The Kennedys est sans contredit une version hautement romancée des événements marquants de cette saga familiale et de la politique de l'époque. Qu'il s'agisse d'un drame biographique ou encore historique, il est toujours de mise de choisir les acteurs et actrices selon leur talent, mais aussi pour leur ressemblance avec les personnages qu'ils incarnent. Des acteurs comme Ben Kingsley dans le rôle de Gandhi, Jamie Foxx en Ray Charles ou encore Denzel Washington en Malcolm X ont rendu leur interprétation très crédible, en partie due à leur ressemblance frappante avec la personne qu'ils personnifient. Certains diront que le talent passe avant l'apparence, mais dans le cas de The Kennedys, c'est la crédibilité de la mini-série au grand complet qui est remise en cause due à ce problème. À un point tel que cela peut parfois donner l'impression d'être une production amateur. En JFK, Greg Kinnear déçoit autant d'un point de vue physique que dramatique. Lorsqu'on l'aperçoit au loin dans la pénombre et de profil, il peut arriver qu'on se laisse prendre, malgré sa coiffure grotesque, qui dans la plus grande des incompréhensions, la production a remporté un Emmy pour meilleure coiffure. Mais quand Kinnear se rapproche de l'objectif, l'acteur perd toute sa crédibilité, en particulier lorsqu'il se trouve aux côtés de Katie Holmes, celle qui incarne sa femme, Jackie. Plus petit que le vrai JFK, Kinnear s'avère être plus petit que Holmes lorsque cette dernière porte des talons hauts, ce qui était pourtant le contraire avec les vrais JFK et Jackie. Pour sa part, Katie Holmes ne ressemble pas du tout à Jackie Kennedy et ne possède pas non plus la classe et l'élégance que l'on associait tant à la première dame. Barry Pepper, qui offre sans contredit la meilleure performance de la série acteurs et actrices confondus, mérite amplement son Emmy pour meilleure performance de soutien. Par contre, l'horrible maquillage et les ridicules prothèses dentaires qu'il porte tout au long de la mini-série lui retirent sa crédibilité et donnent l'impression d'une quasi-parodie du célèbre homme politique. Je reste également sceptique quant au choix des Emmy Awards d'avoir décerné le prix du meilleur maquillage à cette mini-série. Et que dire des atroces personnifications de Frank Sinatra et de Marilyn Monroe, qui n'ont absolument rien à voir avec les vrais. Seuls les personnages un peu plus secondaires comme Rose, la mère de John et Bobby Kennedy, le vice-président Lyndon Johnson et le président russe Nikita Khrushchev sont très bien choisis pour leurs rôles respectifs. Construite avec de nombreux flashbacks, la série s'amuse à créer des liens entre le passé et le présent. Pour ce qui est de la musique de Sean Callery, connu pour sa musique dans la série 24, nous présente une bande sonore qui s'associe difficilement avec son sujet. La cinématographie, quant à elle, est très représentative du style filmique de l'époque, avec une lumière douce et un léger flou esthétique propre à son époque. La qualité audiovisuelle du DVD n'est malheureusement pas représentative du look prévu pour le visionnement du film à domicile. Contrairement au Blu-ray, son image présente une définition moyenne qui n'a rien d'extraordinaire. Du côté technique, des pistes sonores en anglais Dolby Digital 5.1 et français Dolby Digital 5.1, ainsi que des sous-titres en anglais, sont disponibles. L'image est présentée en format panoramique 1.78. Pour les suppléments, seul le documentaire From Story to Film, The Making of the Kennedys est présent sur le disque. D'une durée de 45 minutes, ce documentaire nous présente des entrevues avec les membres de la production et du casting qui discutent de leurs expériences de tournage de la mini-série en général et du travail accompli du côté des décors et des costumes. J'aurais espéré avoir un making-of qui aurait exploré beaucoup plus en profondeur la relation entre la réalité et la fiction de ce type de projet qui a suscité tant de controverses. Bien qu'il s'agisse d'un drame basé sur des faits historiques, The Kennedys offre une vulgarisation plus ou moins satisfaisante des événements marquants de l'ère Kennedy. Certains d'entre eux ne sont malheureusement qu'effleurés malgré leur importance majeure comme l'assassinat de JFK. Pour un visionnement complémentaire sur le sujet et pour assouvir votre curiosité, je vous suggère de vous procurer l'excellent film JFK du réalisateur Oliver Stone, qui peut agir comme une sorte de suite à cette mini-série basée sur la famille du célèbre 35e président américain.
C'était Justin, je vous remercie et bon visionnement.